Vous avez finalisé plus de contrats de bail que n'importe quelle autre équipe. C'est quoi votre truc? J'ai grandi dans un village de fermiers. Les rodéos de tracteurs, les lancers de bouse. Il y avait une usine Caterpillar. Ils l'ont fermée quand j'entrais en fac. Et toutes mes illusions sur la petite ville de fermiers sans souci ont volé en éclats. Je leur offre le seul moyen de rebondir. Je vous l'annonce, le gaz de schiste va bientôt être exploité ici à McKinley. J'y crois pas, on vient juste de sortir de la ville et on se croirait dans le Kentucky. Tu sors de n'importe quelle ville et tu te crois dans le Kentucky? C'est toi la propriétaire? Pourquoi tu fais tout le boulot alors? Signez ce contrat et ça nous donne le droit de forer sur votre terrain. Il y a beaucoup d'argent derrière. Oui, beaucoup. Combien vous croyez? Je ne vois aucune raison pour qu'il n'y ait pas une bonne école chez vous. Ça peut rapporter combien? Vous serez millionnaire. Je croyais que ça serait plus dur. C'est trop facile. Les recherches ont donné quelque chose sur la présence d'écolos dans le coin? Non. Allez, je me lance. Environ 40, marié, marketing, 2 enfants. 38, serveuse le jour, call girl la nuit, née pour être une chanteuse. Je suis institutrice. Mais non, c'est de moi que je parlais. Salut tout le monde. Je suis là parce que notre ferme n'existe plus. La terre est morte, plus rien ne pousse dedans. Si c'est arrivé à ma famille, ça peut aussi arriver à la vôtre. La ville va procéder à un vote dans 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne deviez pas signer direct et dire adieu? On va se charger de ça, soyez tranquille. Je sais tout sur votre compagnie. Je sais tout ce que vous faites. Tu crois que tu seras à la hauteur? Pour te battre? Oh oui. Hé, hey, t'es là. On peut y aller? Oui. Cette ville, c'est mort. Vous le savez, et aucun de vous n'a la bonne idée de se barrer. C'est pas les hectares qui comptent, c'est les gens. C'est pour ça qu'on lutte, tu comprends? Vous n'avez aucune chance d'obtenir ce que vous attendez de moi. Ça me gêne un peu que vous ayez essayé. Vous êtes quelqu'un de bien, Steve. J'aurais préféré que vos talents soient au service d'une autre cause. On a une compagnie qui pèse 9 milliards. Tu sais de quoi on est capable, tu fais pas le poids. T'es sûr?